Salut, c'est Nico et ce soir je vais te parler de Linux et de photo. Alors pourquoi Linux ? Parce que tout à l'heure j'ai branché mon appareil photo sur ça. C'est un Raspberry Pi, un petit ordinateur gros comme une carte de crédit qui coûte 45 €, qui est très puissant, qui a des ports USB, un port réseau, un port HDMI pour la télé, un port jack pour le son, on peut brancher un petit écran, on peut brancher une caméra. On peut le brancher via les petits connecteurs là, c'est vraiment excellent. Tout à l'heure je l'ai branché donc en USB sur mon appareil photo numérique et j'ai réussi à prendre une photo et à la rapatrier en une seule fois via une seule commande. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans l'extrait vidéo de tout à l'heure, j'ai fait une capture vidéo d'une console SSH. En fait, la console SSH, c'est comme si je m'étais connecté directement sur le RASP avec un clavier, une souris, un écran, mais sauf que j'étais sur un autre ordinateur. Donc voilà, je me retrouve en SSH sur mon Mac. Donc je me suis connecté, donc on voit que c'est écrit en haut Raspberry Pi de Nico. Donc je suis vraiment connecté dessus via mon Mac. Donc là, je vais déclencher. Je valide la commande. Ça déclenche, ça transfère, j'ai écrasé la photo et voilà, la photo est bien sur la carte mémoire de mon petit Raspberry Pi. Et la preuve, voici donc la photo provenant de la carte mémoire. Alors j'ai hâte de savoir en faire encore plus et à bientôt.